Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va faire un TD en fait. Je devais le faire avec vous en cours, mais étant donné le Covid c'est un peu compliqué. Du coup en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ce TD là que je vais vous envoyer, d'accord? Donc vous allez avoir les quatre feuilles, hein. Ok. Mais vu qu'il y a pas mal de graphiques ou de choses à faire, je préfère autant dans ce cas-là qu'on le fasse, vous le faire sur un tableau blanc. Voilà, avec les petits points à côté pour que vous compreniez bien ce qu'on va voir. Alors, on va apprendre les outils qui nous permettent de mesurer des inégalités. Ces outils, qu'on soit bien d'accord, ils sont, ce qu'on va voir, vous allez voir, c'est pas compliqué, mais il faut vraiment que vous les compreniez parce qu'en fait, ces outils, bah, c'est ceux qu'on utilise, y compris au niveau international. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ce TD, finalement, vous avez quasiment tous les éléments pour pouvoir juger des inégalités dans un pays en fonction des différentes statistiques, qu'on va vous donner. D'accord? Alors, si je reprends un peu le plan du cours, on va voir premièrement ce que c'est que les écarts et les rapports interquantiles. D'accord? Écarts et rapports interquantiles. Alors ça, des noms barbares, mais vous allez voir, c'est assez simple. Et ça, je pense qu'en fait, vous l'avez déjà, vous en avez déjà, vous êtes peut-être déjà servi de ça, par exemple, pour, dans votre diagnostic territorial ou quelque chose comme ça. Okay? Ensuite, deuxièmement, on va parler de la courbe de Lorentz. D'accord? Et à partir de cette courbe de Lorentz, en fait, on calcule le coefficient de Gini, ou l'indice de Gini, vous pouvez trouver les deux. Coefficient de Gini. Et qui est important aussi. D'accord? On aura un petit 4 sur petit 4 sur attention, mais c'est plus général, ça, c'est pas forcément sur les inégalités. Attention à la fausse neutralité des statistiques. Et on verra un exemple assez simple. Alors, juste qu'on soit bien d'accord, ce petit 4, il n'est pas particulièrement sur notre question de la mesure des inégalités. C'est plus globalement la question des statistiques, ce à quoi il faut faire attention. Ok, donc je vous propose du coup, par rapport à notre feuille de cours, de commencer hein, avec, donc je vais lire rapidement ce qui est marqué, hein, avec le petit 1, qui est les écarts et les rapports interquantiles. Donc là, je suis dans le polycopier sur la feuille numéro 1. 1. Écart et rapport interquantile. Pour mesurer les inégalités, essentiellement de revenus ou de patrimoine, on utilise généralement des indicateurs de dispersion qu'on appelle les quantiles ou les fractiles, sont un de ces indicateurs. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un quantile? D'accord? Donc, première petite astérisque. Qu'est-ce qu'un quantile? Qu'est-ce qu'un quantile? Donc, les quantiles partagent une distribution en n groupes d'effectifs égaux. D'accord? Ils ont été classés par ordre croissant, c'est important, de la valeur de la variable que l'on veut étudier. Les salaires, les revenus, le patrimoine, les chiffres d'affaires. D'accord? Donc, un quantile est la valeur qui sépare deux groupes en effectifs égaux. Alors, je vais refaire rapidement le petit tableau. Qu'on a vu que vous avez donc ici. Alors, donc petite modification un petit peu, vous le voyez, c'est juste pour avoir un peu de place ici. Alors, donc, le premier, ben, vous l'avez en fait. On a parlé des déciles, d'accord? Déciles. Alors,
Les déciles, c'est 10 groupes de 10. 10 groupes de 10, d'accord? Donc 10 parts, si vous voulez. Mais du coup, pour faire ces 10 parts, on a mis 9 coups de couteau. Ok? Je vais vous expliquer tout ça avec une frise. Le décile correspondant, ça correspond à D5. Alors, on va regarder ça, d'accord? En prenant, ça sera bon, les fractions, on peut en faire surtout, mais là, on sera toujours sur un effectif de 0 à 100%, d'accord? Donc, là, j'ai 0, ok. Et là, j'ai 100. Ok. Alors, donc, si je prends mes déciles, des déciles, donc regardez la racine, hein, décile, évidemment, ça vient du mot 10, donc 10 groupes. Ok. Alors, regarde un petit peu. Hop. La bleue, c'est les déciles. Donc, on va toujours évidemment de 0, 1 à 100. Et on a dit qu'on allait donc avoir 10 groupes. Ok. Donc, on fait ça à main levée. Hein, évidemment. Hop, 50. Donc là, il faut que j'en mette 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, hein, on est bien d'accord. On fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Allez. Bon, c'est égal, on dira. D'accord? Ok. Donc, on a dit qu'on avait 10 groupes. Ok? Je mets les valeurs. 10, 20, 30, 40. Ça va nous aider pour après. 60, 70 et 80, 90. Ok. Donc, 10 groupes. Hein? On en a un là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, d'accord. Mais on est bien d'accord que pour faire ces 10 groupes, hein, j'avais mon effectif. Combien, entre guillemets, de valeurs vont séparer mes groupes? Autrement dit, c'est une autre façon de le dire, combien de coups de couteau est-ce que je dois mettre pour séparer ce gâteau en 10? Eh bien, comptons, on met un coup de couteau ici, deux coups de couteau ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mis 9 coups de couteau. D'accord? Alors, à quel quantile correspond la médiane? Donc la médiane, hein, je vous rappelle qu'une médiane, c'est une valeur, d'accord, donc là ça va être 50, qui va séparer un effectif en deux parts égales. Okay? On est d'accord qu'on aura un groupe ici et un deuxième groupe ici. Bon, bah, ma médiane, on le voit bien, elle correspond à mon cinquième coup de couteau, ce qu'on appelle D5. Ok? Alors, maintenant, je vous propose de passer à ce qu'on appelle les quintiles. Alors, les quintiles, d'accord, ils vont séparer mon effectif. Alors, quintile, est-ce que vous arrivez un petit peu à retenir le nom, le mot? Qu'est-ce que ça veut dire, les quintiles? Ça veut dire que je vais faire des 5 quintes, d'accord? 5. Je vais faire 5 groupes. Donc, si je fais 5 groupes sur un effectif de 100, d'accord? 5, 100 divisé par 5, ça va me faire des groupes de 20, d'accord? 20 pourcents. Enfin, là, en l'occurrence, si on dit, on peut dire que c'est des pourcents, d'accord? Des groupes de 20%. Donc, 5 groupes de 20%. OK? Du coup,
Si j'ai créé 5 groupes, on va le voir, je mettrai 4 coups de couteau. D'accord? Et là, on va étudier ça. Alors, je refais pour vous montrer. 0 à 100. OK. On va faire des groupes de 20%. J'en ai un là. D'accord? 20. J'en ai un là. 40. J'en ai un là, 60, un là, 80. Donc, on est bien d'accord que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. OK. Et pour le faire, j'aurais mis un coup de couteau ici, un coup de couteau ici, un coup de couteau ici, et un coup de couteau ici. D'accord? J'aurais des fronts. Autrement dit, ce sont des frontières. D'accord? Alors, en revanche, à quel quintile correspond ma médiane? Bah, à aucun, vu que c'est des tranches de 20%. Ensuite, on passe au suivant, qui sont des quartiles. Alors, les quartiles, quart, d'accord? Un quart, ça veut dire qu'on a divisé quelque chose en 4. 4, pardon. Donc, 4 groupes de 25%. OK? Du coup, j'aurai, vous le comprenez, 3 coups de couteau à mettre. Et trouvons celui à quel quartile correspond. Hop. La médiane, on va voir. Donc, alors, 25%, donc évidemment 0, 25%, hop, un premier coup de couteau ici, 25, d'accord? Ensuite, tac, 50, 75, et du coup après j'ai mon 100%. Donc, j'ai bien un groupe, deux groupes, trois groupes, quatre groupes, ok, on est d'accord? Et j'ai bien dû mettre un coup de couteau ici. Un coup de couteau ici et un coup de couteau ici. Donc trois coups de couteau. Et on voit que correspond à la médiane ce qu'on va appeler le Q2. Le dernier qu'on va utiliser, on pourrait en faire d'autres, hein, évidemment. Et le dernier qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle les centiles. Oula, centiles. Le. Alors, bon. Là, vous comprenez que je ne vais pas le représenter. C'est le dernier. Hop, 0, 100. Et les centiles, alors ce n'est pas une tranche de 1%, hein? Aucun sens ça. Mais du coup, vous comprenez que ça va être 100 groupes de 1%. Excuse-moi, comme tout à l'heure j'ai dit, ce serait une tranche de 100%. Non, ici c'est 100 groupes de 1%. D'accord? Donc pour faire mes 100 groupes de 1%, ben on peut s'en douter, mais on ne va pas le vérifier ici, eh bien j'ai dû faire 99 coups de couteau. Alors, en représentation, si je le fais, voilà, pour de 0 à 10, hein, et ben je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Ça donc un groupe là, un centile. Ok, alors ça c'est toujours le petit piège. Je dirais que c'est C50. D'accord? Je vais le marquer à confirmer. Ok, donc, faut bien que vous compreniez les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir des tranches différentes. Et ça, c'est juste un petit peu de vocabulaire. Le mot décile, ça veut dire des tranches de 10. Donc, si je vous dis le décile supérieur, ça va être mes 10% les plus riches. Si on vous parle du décile inférieur, ça va être les 10% les plus pauvres. Okay? Quintile, c'est des tranches de 20%.
Pareil, si je vous dis les deux premiers déciles, ça va être mes 40% les plus pauvres. Si je vous dis mon dernier, excusez-moi, si je vous dis les deux premiers quintiles, excusez-moi, ça va être les 40% les plus pauvres. Si je vous dis le dernier quintile, c'est mes 20% les plus riches. D'accord? Quartile, de la même façon, mon premier quartile, ce sont les 25% les plus riches. Le dernier quartile, les 25%, les hauts plats, excusez-moi, je fatigue, les 25% les plus pauvres. Le dernier quartile, ce sont les 25% les plus riches. D'accord? Et si je parle de centiles, eh ben, je vais avoir mes 1% les plus pauvres ici, mes 1% les plus riches. Donc vous comprenez qu'évidemment, je ne vais pas avoir le même niveau de détail si je réfléchis en quartile que si je réfléchis en décile. Ou si je réfléchis en centiles, évidemment. Et on va voir que c'est quelque chose qui, pour mesurer les inégalités, est très important. D'accord? Alors, voilà, on est bon là-dessus. Donc, maintenant, on va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut les lire. Et là, avant de passer à cette étape, je veux vraiment que vous reteniez bien une chose. C'est la distinction qu'on a fait entre les groupes, ok, groupe ici, d'accord, et la frontière qui sépare deux groupes, d'accord. Si je vais effacer ça pour que ce soit un peu plus clair, ce n'est pas la même chose. Donc on ne va pas raisonner. Et attention parce qu'en fait, là vous allez voir, il y a une question simplement de vocabulaire. On ne va pas raisonner exactement de la même façon si on parle de déciles qui représentent les groupes, d'accord? Ou si on parle de déciles qui représentent la frontière, d'accord? Ça, on va appeler ça un décile pointé, alors qu'ici on appellera ça un décile moyen, d'accord? Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va jouer sur les calculs que l'on va effectuer, c'est-à-dire sur la façon dont on peut lire les déciles. Alors, hop. Donc, si je refais un petit peu, si je refais un petit peu les choses. Donc, on en est toujours au petit 1 et comment le lire? Donc, je reprends ce que j'ai dit précédemment et là, on en est là, d'accord? Mais on va aussi se concentrer là-dessus, là. Donc là, vous avez les déciles de niveau de vie. Alors le niveau de vie, c'est votre pouvoir d'achat rapporté à la structure de votre famille. On va le voir dans le cours après. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le langage courant, le pouvoir d'achat. Mais vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, le niveau de vie en France, alors, ça date de 2012, hein, et c'est des déciles, donc des tranches de 10. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut bien séparer ce qu'on va appeler le décile pointé ou ce que j'appelle le décile frontière, mais le nom officiel c'est le décile pointé, décile frontière, du décile moyen. Alors, si je prends par exemple les valeurs qui sont ici, d'accord? Ici, on aura une valeur de 10 410 euros. Ok? Donc, ça veut dire que si vous êtes à 10
409 euros, eh ben, vous êtes de ce côté-là, ok? Vous comprenez que si vous êtes à 10 411 euros, vous êtes de ce côté-là, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un décile pointé. Ou ce que j'appelle moi, mais c'est pas bien de le dire comme ça, un décile frontière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tranche, il sépare. Soit on est là, soit on est là. D'accord? On va en avoir un aussi ici qui va être à 13 010 euros. Ok? Alors, etc., etc., etc. Ok. Bon, maintenant, on peut calculer des déciles moyens. D'accord? On peut calculer des déciles moyens. Qu'est-ce que ça va être? Alors, je l'ai fait pour les 10% les plus riches parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Et là, on le fait pour les 10% les moins riches ou les plus pauvres. Le décile moyen, il est de 7 910 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en moyenne, les 10% les plus pauvres ont un revenu de 7 910 euros. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, excusez-moi, le décile moyen. Alors, comment vous repérer? Comment savoir, parce que des fois, il n'y aura pas marqué le pointé ou il n'y aura pas le marqué moyen, comment savoir? Bah, c'est très simple, en fait. Si dans la phrase, il est question de moyenne, d'accord? Moyen, moyenne, en moyenne, etc. Et ben, dans ce cas-là, c'est forcément l'ensemble du groupe, d'accord, qui aura la valeur de l'ensemble du groupe, la moyenne pour l'ensemble du groupe. Ok? En revanche, ici, on est bien d'accord que je ne peux pas dire les 10% les plus pauvres gagnent en moyenne 10 410 euros. Non, je ne peux pas le dire, d'accord? C'est faux. C'est quoi mon 10 410 euros? C'est ce qui va séparer ceux qui vont être là ou ceux qui vont être là. Donc, c'est la valeur, si vous voulez, le 10 410 euros, c'est la valeur maximale, d'accord? Que peut gagner quelqu'un qui va être dans ce groupe-là. Donc, c'est très important de comprendre comment on va le lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 10% les plus pauvres gagnent au maximum 10 410 euros. Et les autres là, si je le lis dans l'autre sens, il y a toujours ces deux façons de lire les choses. Si je le lis dans l'autre sens là, j'ai combien de personnes là? Ici j'avais 10%, c'est mes 10%. Ici, je vais en avoir combien? Ben, je vais en avoir, si j'en ai 10% d'un côté, je vais en avoir 90% de l'autre. D'accord? Et pour ces 90% là, mon 10 410 euros là, ça va être, ouais, ça revient même, la valeur minimale. Donc ici, on dira dans ce cas-là que pour les 90% les plus riches, ils gagnent au minimum 10 410 euros, évidemment, c'est par an. D'accord? C'est très important que vous compreniez ça. Donc je répète, hein. C'est une valeur qui fait la frontière. Donc, soit je lis pour les plus pauvres, et dans ce cas, je peux dire que, donc là, c'est mes 10 premiers pourcents, mes 10% les plus pauvres gagnent au maximum 10 410 euros. Soit je dis que les 90% les plus riches gagnent au minimum 10 410 euros. Alors, entraînez-vous avec ça. Posez-vous la question. Comment vous liriez ce 13 000 10 euros. Je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre pause. Alors, de la même façon,
je peux lire en disant que ça va être le max ici et le min ici. Alors, c'est le maximum pour qui? Eh bien, pour mes 20% les plus pauvres. Et ça va être du coup le minimum pour les 80% les plus riches. Donc, vous reconnaîtrez un décile pointé, ce que j'appelle les déciles frontières, parce que forcément, dans la phrase, vous aurez le mot maximum ou minimum. D'accord? Donc, si j'ai du maximum ou minimum, c'est donc une frontière ou un décile pointé. Ok? Si j'ai le mot moyen, en moyenne, etc., et bien dans ce cas-là, c'est un décile moyen qui représente la moyenne du groupe. Ok? C'est bon? Alors, maintenant, on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut quel calcul peut-on faire par rapport à ça? D'accord? Ok, donc, on va maintenant comment les utiliser, mesurer des écarts et des rapports interquantiles. Donc, comment les utiliser, mesurer des écarts et rapports interquantile. Alors, qu'on soit bien d'accord, évidemment, là, on va le faire avec des déciles, donc des tranches de 10, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est les valeurs que j'ai là. Mais c'est exactement la même chose, mais dans ce cas-là, il va falloir changer un petit peu la phrase qu'on fait. C'est exactement la même chose si je souhaite faire ça avec des centiles, par exemple. Ou avec excusez-moi, hop là, si je fais ça avec des centiles ou avec des quartiles, des quintiles, ce que vous voulez. D'accord? Alors, vous voyez qu'on a deux types de calculs, écart et rapport. Alors, c'est vraiment pas compliqué, en fait.
Qu'est-ce qui distingue un écart d'un rapport? C'est simplement l'opération qu'on fait. Quand vous mesurez la taille que vous avez avec votre petit frère, votre petite sœur, votre enfant, je ne sais pas quoi, vous allez dire que vous êtes plus grand ou plus petit de, allez, je dis n'importe quoi, 30 cm, 40 cm, d'accord? Donc, on est d'accord que ça veut dire que vous avez fait quoi comme calcul? Pour calculer un écart, d'accord? Le calcul que vous avez fait, hein, c'est une soustraction. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur des gros calculs très compliqués, c'est moins. Vous allez tous faire une soustraction. OK? Maintenant, si je vous dis, ouais, bah, lui, il est à 1000 euros et moi, je suis à 2000 euros, vous allez me dire quoi? Bah, il gagne deux fois plus que toi. Vous avez fait un rapport. Donc, ici, on va faire des divisions. Donc, vraiment, qu'on soit bien d'accord. Sur ces calculs des inégalités, vous aurez à faire soit des écarts, soit des rapports. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc vraiment, pas de complexité sur la dimension calculatoire. C'est extrêmement simple. Maintenant, attention, il va falloir quand même faire attention à une seule chose, c'est savoir analyser les phrases et les calculs que vous allez faire. Et c'est ça que je vous demanderai potentiellement, d'accord, de bien comprendre. Je veux, voilà, faire des phrases qui soient un peu complexes, pas me dire le rapport est 2 ou l'écart est 2. Mais vous inquiétez pas, tout ça, on va le faire ensemble. Ok, donc souvent, très souvent, pour mesurer les écarts et les rapports, on prend les plus riches et les plus pauvres. Mais on va le faire de cette façon-là. Mais il n'y a pas d'obligation. D'accord? On peut très bien prendre les 10% les plus riches et les 40% les plus pauvres. On peut très bien prendre les 10% les plus pauvres et les 20% les plus riches. Vraiment, on s'entraînera. D'accord? Alors, enfin, je vous demanderai de vous entraîner plutôt. Donc, sauf qu'on est bien d'accord qu'on va avoir deux valeurs. Des valeurs en vert qui sont mes déciles moyens. Et des valeurs en rouge qui sont mes déciles pointés, mes déciles frontières. Bon, on va voir qu'en fait, on va faire le calcul pour les deux. D'accord? Donc, ici, on va se baser, nous, sur. On va faire tout simplement D9 moins D1. D'accord? Et ici, on va faire D9 par rapport divisé par D1. OK. Donc. C'est simple. Maintenant, attention, vous allez voir la phrase, effectivement, peut être un peu complexe. Donc, on va commencer par le plus simple, d'accord? Okay? Le plus simple, et on va faire mes déciles moyens. Donc, on est d'accord, mes 10% les plus pauvres, ils gagnent en moyenne 7 910 euros. Mes 10% les plus riches, ils gagnent en moyenne 53 220 euros. Alors, là, on fait tout simplement le calcul. Donc, si je prends cinquante-trois mille deux cent vingt moins 7 900. Ça nous fait donne égal et là eh bien ça nous fait donc 45 310 45 310. Alors là qu'on soit bien d'accord, si vous me dites l'écart entre D9 et D1 est de 43 310, c'est nul. OK? Donc, écart entre D9 et D1 est de 43 000, 45 310 euros. D'accord? Ça, c'est nul. On n'en veut pas. Pourquoi? Ben parce que
Ça n'a aucune signification. Enfin, ça ne veut rien dire. D'accord? Si vous allez voir quelqu'un dans la rue, il va pas comprendre ce que vous dites. En revanche, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi? Bon, ça veut dire que mes 10%, d'accord? Des 9, c'est les 10%. Les 10% les plus riches gagnent 45 310 euros de plus que les 10% les plus pauvres. D'accord? Tout simplement. Alors, maintenant, bah, D9 sur D1, c'est exactement le même calcul, 53 220 divisé là par 7 910, et ça va nous donner, vous allez faire le calcul, hein, 6,72. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce 6,72? Et pareil, le rapport est de 6,72, ça on n'en veut pas. Ok? On n'en veut pas. On veut quelque chose, un chiffre qui donne une signification, qui ait une signification, qui veuille dire quelque chose. Donc, j'ai regardé combien de fois, d'accord, le salaire, le niveau de vie moyen des 10% les plus pauvres était. Excusez-moi, j'ai regardé combien le niveau de vie des 10% les plus riches était multiplié par le niveau de vie des plus pauvres, divisé. Excusez-moi. Donc ça veut dire qu'en gros, si je multiplie ce niveau de vie par 6,72, eh bien j'obtiens celui des plus riches. Donc, pour le dire autrement, hein, les 10% les plus riches alors gagnent, on avait dit, ont un niveau de vie, ont un niveau de vie 6,72 fois supérieur au 10% les plus pauvres. Voilà. Et là, vous avez des chiffres qui parlent et, entre guillemets, que vous pouvez donner à n'importe qui voilà, dans la rue. On vous comprendra. Alors que si vous dites, oh, le rapport interdécile entre D9 et D1 est de 6,72, personne ne va piger. Personne ne va comprendre. D'accord? Alors maintenant, vous avez compris. C'est le plus simple là. Maintenant, on va le faire avec ça. Alors évidemment, bah, vous pouvez anticiper. Là, j'ai un chiffre qui est supérieur. Là, j'ai un chiffre qui est assez inférieur. Donc forcément, bah, ici, on aura quelque chose de beaucoup plus faible. Et ici, on aura quelque chose de beaucoup plus faible aussi. Là, j'ai 10 000, 35 000. Hein, c'est assez simple. 35 divisé par 10, ça fait à peu près du 3,5. Bon, d'accord? C'est pas tant ça qui va nous. Et c'est normal, parce que ici c'est mon maximum, alors que là c'est ma moyenne, et ici c'est le minimum, alors que là c'est ma moyenne. Ok? Donc c'est tout à fait normal. C'est pas sur ça. C'est qu'il va falloir faire attention, si vous voulez être très précis, à la façon dont vous allez faire les phrases. D'accord? Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, on passe maintenant à l'autre. Donc, pareil, toujours D9 et D1. 35 000. 840, hop là, 840 moins 10 410, hein, c'est égal ça à 25 430 euros. Ok, mais la phrase, je peux plus dire, les 10% les plus riches gagnent. D'ailleurs, hop. Regardez, petite erreur, gagne ici
Il faut rajouter un mot. En moyenne. D'accord? Et ici, grosse erreur aussi, un niveau de vie moyen. Au passage ici, au niveau de vie des 10% les plus pauvres. Ok. Ici, je ne peux plus le dire en moyenne, je ne peux plus dire moyen. Pourquoi? Bah parce que ce n'est pas le niveau de vie moyen. Donc là, il faut bien avoir en fait la frise en tête. D'accord? Il faut bien, voilà, bien penser à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, alors, on y va précisément. D'accord? Les 10%, 10% les plus riches. Alors, pour mes 10% les plus riches, c'est le niveau de vie quoi? Pour les 10%, hein, les plus riches, on est d'accord que ça va être le niveau de vie minimum, les 35 840 euros. D'accord? Donc les 10% les plus riches ont un niveau de vie minimum supérieur de 25 430 euros au niveau de vie. Et alors attention, là, hein, pour mes 10% les plus riches, là, ça va être le niveau de vie maximum. Au niveau de vie, donc, maximum des 10% les plus pauvres. Ok. Si je fais le calcul ici, donc on a dit que ça allait faire 3,5 à peu près, hein, et ben on va avoir le même souci de phrase. Donc, 35 840 divisé par 10 000, excusez-moi, 410, ça me donne bien 3,44. Donc, attention, là, pareil, les 10% les plus riches ont un niveau de vie minimum 3,44 fois supérieur au niveau de vie maximum des 10% les plus pauvres. Ok. Alors, je vous invite, pour vous entraîner, d'accord, à me calculer. Alors, on va peut-être le faire, bah, de toute façon, vous allez être obligé, on va le faire sur des déciles pointés, hein. Calculez-moi, par exemple, D7 par rapport à D3. Ou calculez-moi par rapport à D7. 9 par rapport à D4. Ok? Ou enfin, par exemple, D6 par rapport à D2. Ok? Alors, on peut le faire ensemble, hein, mais il va vraiment falloir que vous vous entraîniez, non pas sur le calcul, parce que ça c'est assez simple, vous avez droit à une calculatrice, hein, mais sur la phrase. Ok. Donc, on y va. On le fait ensemble si vous voulez. Hop. Alors, D3 par rapport à D7. Donc, D3, on est d'accord. D7, excusez-moi, c'est là. Donc, 24 100. Je vais l'amener pour que ce soit plus visible. Donc, D7, 24 100 divisé par D3. D3 divisé par 15 000. Donc, on cherche à calculer D3 par rapport à D7. Donc, D7, on l'a ici,
24 100, d'accord, divisé par D3, c'est-à-dire 15 160. Et si on le fait à la calculatrice, on va avoir un résultat de 1,59. D'accord? Donc, c'est ce 1,59 qu'il va falloir interpréter, d'accord? Et expliquer ce que ça veut dire. Parce que si je vous dis que le ratio, le rapport, excusez-moi, interdécile entre D7 et D3 est de 1,59, on est d'accord que ça n'a pas beaucoup de sens, d'accord? Donc, repérons qui c'est, traduisons ce que ça veut dire. D7, c'est qui? D7. D7, on a deux façons de le lire. Alors, D7, hein, on est d'accord, c'est E. Donc, soit je peux lire par là, soit je peux lire par là. Ok? Si je le fais ici, si on a le D7 qui est à peu près ici, soit je lis ici, soit je lis par là. Ok? Quelle va être la différence? Bah, si je parle de, je vais parler ici des 70% les plus pauvres, alors que si je le lis de l'autre côté, je vais parler des 30% les plus riches. D'accord? D3, c'est pareil. On peut le lire comme étant les 30% les plus pauvres ou les 70% les plus riches. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on compare? Bah, évidemment, on va faire les 30% les plus riches par rapport aux 30% les plus pauvres. D'accord? Donc, attention, on est sur des déciles qu'on a appelés des déciles pointés. D'accord? Donc, il va falloir le lire avec le minimum ou le maximum. Ce ne sont pas des moyennes. OK? Donc, ça veut dire quoi? D7, ben, on a dit que c'était, on va dire que c'est les 30% les plus riches par rapport aux 30% les plus pauvres. Et on peut donc dire quoi? Que les 30% les plus riches ont un niveau de vie, si je le lis comme ça, on est d'accord que c'est mon de vie minimum, 1,59 fois supérieur au niveau de vie, là on le lit comme ça, donc maximum des 30% les plus pauvres. Ok, donc ce que je vous propose là, c'est que vous fassiez D4, D9 par rapport à D4, D6 par rapport à D2, d'accord? Vous mettez la vidéo en pause 5 minutes, hein, et vous faites les calculs, vous allez trouver un chiffre, le calcul, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour le faire, mais surtout, ce que vous faites après, c'est la fameuse phrase et l'interprétation qui est le plus important. Ok? Je vous laisse faire. Alors, vous êtes censé l'avoir fait, donc on va corriger, d'accord? On va le corriger ensemble. Donc, au passage, oui, tout ce qu'on fait ici, vous pouvez le faire avec des écarts, hein, d'accord? Donc, ce sera la même chose. Là, ce sera le niveau de vie minime, le niveau de vie, les 10%, les 30%, excusez-moi, là, si je prends des 7, les plus riches ont un niveau de vie minimum supérieur de je ne sais combien de milliers d'euros au niveau de vie maximum des 30% les plus pauvres. Donc, on y va. Correction sur, alors, D9 par rapport à D4. Donc, on y va. D9, on a dit que c'était 35 840 divisé par D4. Donc, D4, c'est ici, c'est 17 050. Ça nous donne donc 2,1. OK. Et on y va pour la phrase. Donc, les 10% les plus riches ont un niveau de vie minimum 2,1 fois supérieur au niveau de vie maximum des 40% les plus pauvres. Ou 40% les moins riches, c'est la même chose. Ok, à celui-ci maintenant, D6. Donc D6, on est d'accord qu'on est à 21 310 divisé par D2, donc 13 010. Et ça nous donne 1,64 si je fais l'arrondi.
Et donc, on peut donc dire, phrase, que les 40% les plus riches ont un niveau de vie minimum supérieur de 1,64 fois supérieur au niveau de vie minimum des 20, au niveau de vie maximum des 20% les plus pauvres. OK? Alors, entraînez-vous là-dessus, c'est vraiment important parce que vous allez en avoir et je vous dis ce qui, selon moi, est très important, c'est de donner du sens. D'accord? Donner du sens. C'est-à-dire, je ne veux pas de phrase, le rapport interdécile entre D9 et D1 est de 6,7. Ça n'a pas de sens. Il faut que vous ayez une phrase qui donne du sens, c'est-à-dire une phrase, quand je dis donner du sens, ça veut dire que si je la dis dans la rue à quelqu'un, il peut la comprendre. Si vous parlez de rapport interdécile entre D7 et D9, personne ne comprend. D'accord? Si vous dites les 10% les plus riches ont un niveau de vie minimum 6,77 fois supérieur au niveau de vie maximum des 10% les plus pauvres, là, on comprend. D'accord? Ok, donc là, on a fini notre première page. Ça va être vraiment important. Il faut bien que vous compreniez cette idée de lecture, vous voyez, dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi? Bah parce que ce qu'on va faire maintenant, on va passer à la page numéro 2. Donc celle-ci, hein, on va travailler sur ce qu'on appelle la courbe de Lorentz. Courbe de Lorentz. Ok, donc c'est parti, un petit peu de nettoyage. Alors, si vous avez évidemment des questions, hein, vous pouvez tout à fait me les poser, il n'y a pas de problème. Donc, ça fera l'objet. C'est important en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important que vous maîtrisiez vraiment ces outils. Déjà parce que tout simplement, ils sont importants. Enfin, c'est des outils qu'on utilise pour les inégalités. Je me répète un peu, mais vous ne dans les études les plus sérieuses sur les inégalités, Lorentz, Gini, rapport interdécile, vous verrez que c'est ça qu'on utilise. Donc en fait, vous avez tous les outils ensuite pour pouvoir parler d'inégalité. D'accord? Hop là. Voilà. Alors, donc, on en arrive à notre petit 2.